Alléluia. Il y a des manifestations qui vont s'amplifier. Des manifestations vont s'amplifier. Dans certains pays scandinaves, les manifestations vont s'amplifier dans certains pays scandinaves. Les pays de la Scandinavie, les pays européens de la Scandinavie où... Et je vois comme certains pays, je vois comme les pays de la Scandinavie, je vois comme la Finlande et autres. Je vois certains pays scandinaves et je suis en train de voir des manifestations qui vont s'amplifier. Et ces manifestations vont être dues, vont être dues. Merci Seigneur. Vont être dues à une certaine rupture. Je ne comprends pas pourquoi. Je vois le froid dans mon esprit. Et je vois le froid dans mon esprit. Et je vois le froid dans mon esprit. Et en même temps, je reçois le mot, il y aura une rupture. Et cette rupture va créer beaucoup de dommages dans certains pays scandinaves et dans la France. Je vois beaucoup de pays européens qui vont apprêter vous. De la même façon que le Mali a pleuré. Merci Seigneur. De la même façon que le Mali a pleuré. De la même façon que le Mali a pleuré. Le Mali a été privé de médicaments. De la même façon que un embargo sur les médicaments a été décrété au Mali. Et le Mali a pleuré. De cette même façon, je vois comme un jugement de Dieu qui va petit à petit gagner la France, les pays voisins alentours. Quand je parle des pays voisins alentours, je vois l'Italie. Je vois l'Italie dans la manifestation. Je vois l'Italie. Je vois même l'Allemagne. Je vois certains pays et je vois aussi d'autres pays scandinaves. Je vois des pays scandinaves autour. Je vois beaucoup de manifestations. Je vois beaucoup de manifestations. Mais en France, ça sera très accentué. Mais très, très accentué. Il y aura des casses. Les casses de certaines institutions en France. Je répète, les casses de certaines institutions en France. Des marches pacifiques vont entrer dans des débordements. Il y aura des casses de biens. Il y aura des casses même de certaines institutions en France. Parce que je suis en train de voir. Je vois on ne leur a pas imposé d'embargo, mais je les vois comme pris dans un piège. Et je vois un éclatement de leur population. Je vois comme un éclatement de leurs habitants, comme un éclatement, comme un mécontentement. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de voir ça, je vois des gens qui sont complètement aux abois. Je répète, complètement aux abois. Écoutez-moi très bien. Je vois, merci Seigneur, je vois et la France, je vois et l'Italie, je vois la France, l'Italie, la Hollande, je vois plusieurs pays européens paralysés au fait, paralysés. Et quand je parle de paralysés, je parle de paralysés même. Je vois le pays paralysé se retrouver dans une paralysie ou dans une sorte de férié forcé. Je vois les pays complètement paralysés. Les pays européens. Il y a un mouvement de Dieu qui est en train de se faire dans les pays européens. C'est la prémisse du jugement de Dieu qui va s'abattre sur les pays européens. Et je vois une grande famine. Je répète ce que je suis en train de dire très fort. Je vois une grande famine. Je vois des gens sortir chercher du blé. Chercher du blé. Je répète. Je vois des gens chercher du blé, chercher de la farine. Je vois des gens chercher, écoutez-moi bien, chercher du blé, chercher de la farine, chercher du riz. Je vois des gens chercher de la nourriture en France. Je vois des gens chercher certaines choses en France. Je répète, en France. Et je vois
vois un temps de fraîcheur. Je vois un temps de froid. Je vois comme un temps de fraîcheur qui va beaucoup faire mal. Beaucoup faire mal au pays européen. C'est comme si je vois un temps de fraîcheur, mais qui va faire beaucoup mal. Est-ce que c'est en rapport avec l'hiver? Je ne sais pas. Pourquoi ça va faire beaucoup mal? Je ne sais pas. Mais il y aura des pénuries qui vont s'accentuer en Europe. Je répète, hein, des pénuries qui vont s'accentuer en Europe. Et cela va mener une grosse famine. Ce que je vous dis là, ça va se passer comme je vous ai dit. Je vois des gens vont se mettre à casser des institutions en France et dans certains autres pays. Et dans certains autres pays, ils vont se mettre à réclamer. Les gens vont sortir avec, comment on appelle ça? Merci Seigneur. Les gens vont sortir avec les paniers de la ménagère. Je vois des gens sortir avec les paniers de la ménagère. Je vois des gens sortir avec, je vois des gens avec des paniers, je vois des gens avec des sortes de casseroles, des sortes de poêles, ou bien comment on appelle ça. Je les vois marcher comme, et je vois un véritable désarroi, un véritable chaos. Tu vois, un véritable chaos. Et je vois les gens casser certaines boutiques, certaines structures, et même je vois des choses. Ce que je vous dis, ça va se passer. Ce que je vous dis là, ça va se passer. Je m'en fous que vous me croyez. Que vous me croyez ou pas, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je vous dis là, va se passer. En même temps que je suis en train de parler, je répète, la France est sur le coup d'un jugement sévère de la part du Seigneur. Je dis, il y aura de grandes pénuries en France. 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 Je parle de grandes pénuries en France. Pénurie du carburant. Pénurie du blé. Pénurie, comment on appelle? Mais je vois des gens, des personnes. Je répète. Il y aura de grandes pénuries en France. Elle est en train d'entrer dans un temps où elle va boire la coupe de la colère de Dieu. Je vois comme si il arrivera un temps où elle va boire la coupe de la colère de Dieu. Mais ce que je vous dis là, il y aura de grandes manifestations qui vont se passer dans les villes de France. Dans les villes de France. Et en dehors des villes de France, ça va toucher les villes d'Italie. Ça va toucher les villes des nations à gauche à droite. Les villes des nations à gauche à droite. Ça va faire un vrai chaos. Un vrai tohu-bohu. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vois beaucoup de personnes âgées qui vont commencer à tomber, mourir sous le compte du froid. Ce que je vous dis là va arriver. Il y aura beaucoup de personnes âgées qui vont tomber, commencer à mourir sous le coup du froid. Écoutez-moi bien. Rappelez-vous, je vous avais dit la fois dernière par le Saint-Esprit, j'entendais une grosse détonation, une grosse explosion sur la France, en plein cœur de Paris. C'est pas dans une autre ville, hein. Je parle en plein cœur de Paris. En plein cœur de Paris. Dieu a marqué ceux qu'il gardera loin de sa colère. Mais ce pays va connaître des grèves à n'en point finir. Écoutez-moi bien. Ce pays, la France, va connaître des grèves. Je répète, ce pays, la France, va connaître des grèves à n'en point finir. Ça va s'enchaîner comme ça. Ça va s'enchaîner comme ça. Ça va s'enchaîner comme ça. On va rien comprendre en fait. Et les gens vont demander la démission du président. Je viens de vous dire quoi? Les gens vont demander la démission du président. Ils vont faire des sittings. Ils vont s'arrêter dans les rues. Vous allez voir les gens dans les rues. Vous allez voir même des gens vont se promener nus. Vous allez voir des gens vont envahir
l'entrée de l'Élysée, tout ce que je vous dis, écrivez. L'entrée de l'Élysée, là, devant, là, les gens vont faire des sittings, là. Les gens même vont dormir, là. Et les gens vont demander la démission du président de la France qui est là. Ils vont exiger, ils vont demander, et ça va être un vrai bordel, en fait. Ça va être un vrai bordel. Le Saint-Esprit me cache. Il me cache la suite. Quand ils vont demander sa démission, va-t-il se plier à ça? Ou ne se pliera-t-il pas à ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas. Mon esprit ne pèse pas le mur qui est devant. Mon esprit ne pèse pas. Mais je vois je répète, il aura le pouvoir le plus controversé en France là-bas. Pourquoi? Parce que simplement, il n'était pas censé remplir pour un second mandat. Des troubatouillages, des choses ont été faites spirituellement. Des choses de grands sacrifices maçonniques ont été faits pour qu'il remplisse un prochain mandat. Et c'est tout ça. Et c'est pour qu'il remplisse son second mandat. Et c'est tout ça qu'il est en train de payer.